Bonjour à tous, c'est Les Paul et Hiro. Et bonjour. Voilà, c'était guiré, ça donne vachement envie. Ah, je suis content, The Witcher 2, c'est génial. Bon, ouais, il m'a spoilé mon truc. Bon, ah, en même temps, vous aviez sans doute compris, c'est pas grave. Donc, nous sommes ici pour un magnifique, en tout cas, on l'espère, gaming live de The Witcher 2. Ouais. Donc, la version 360, hein, cette fois. C'est ça. Qui est sortie chez nous le 17 avril. Qui est déconseillé aux moins de 18 ans, qui est édité par Namco Bandai, étonnamment, on en parlait, ouais, et développé forcément par CD Projekt, auteur donc du premier The Witcher et du second sur PC. Ouais. Donc voilà, alors, on voulait vous présenter cette petite vidéo bien pour savoir, pour voir un petit peu ce que donne cette version 360 qui arrive quand même un long moment après la version PC. Quasiment un an après. Ouais. Alors tu l'as précisé, CD Projekt, c'est eux qui ont fait le premier The Witcher, qui n'est pas disponible sur 360. Tout à fait. Alors ça va être quasiment le principal reproche qu'on va pouvoir faire à cette version 360, c'est que, en fait, il y a une nouvelle cinématique que je voulais vous montrer à la base. Bon, c'est pas possible parce que ça aurait été chiant de vous montrer le menu, les chargements de la partie, quoi, après. La cinématique d'introduction qui est juste magnifique. Ouais. Le problème, c'est qu'elle introduit pas forcément le jeu, en fait. Si on n'a pas fait le premier, on est lancé directement dans la partie, on nous parle de chasse sauvage, on nous parle de Foltest sans nous dire que c'est le roi, on nous explique rien en fait. D'accord. Et bon, si on n'a pas fait le premier, c'est pas forcément l'idéal. En sachant qu'il y avait des vidéos qui circulaient sur internet pour nous expliquer tout ça, ouais. C'est quand même dommage qu'elle ait pas été inclue sur la galette, sur une des galettes du jeu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça aurait été pas mal. Il tient sur deux disques, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, comme sur PC. Ouais. Je trouve ça dommage, moi, mais bon, après, c'est pas une catastrophe non plus. En gros, moi la question c'est, est-ce que c'est un prérequis d'avoir fait le premier pour pouvoir jouer à The Witcher 2 ? C'est un prérequis de connaître l'histoire un minimum, donc il va falloir se renseigner par soi-même sur le net. Okay. Après, bon, ça n'empêche pas de profiter du jeu, qui bien reste sûr magnifique. Magnifique au niveau de l'histoire, du scénario, ouais, qui ne change pas. Donc je vais préciser tout de suite qu'on va pas trop s'attarder sur ça, étant donné qu'il y a déjà le test, si vous voulez vous informer là-dessus. Et également les Gaming Live PC, que vous pouvez aller voir, parce que c'est le même jeu. Là, je vais vous parler plutôt des graphismes, parce qu'évidemment, ouais, ils ont fait beaucoup parler, parce qu'il y avait inévitablement une comparaison PC 360 qui s'est faite. Qui, pour le coup, franchement, moi je trouve, n'a pas lieu d'être, forcément. Non, pas du tout. Mais bon, puisque ça a pu intéresser quelques personnes, on va en parler rapidement. Bon, évidemment, c'est pas aussi beau que sur PC, on s'en doutait. Oui. Ça reste très beau, comme on peut voir. Bon, les environnements sont plutôt sympathiques. Mais pour le support, c'est quand même très beau. Ouais, ça reste un des plus beaux jeux sur console. Ouais. Évidemment, il y a quelques petits soucis d'ordre technique, donc du clipping, du tearing, ouais, des ombres qui sont pas terribles des fois. On va prendre ça, je sais que c'est une consigne. On m'avait posé la question, j'avais vu ça sur les forums, que je prends pas les lecteurs pour des bonnets. Mais si j'explique les termes, c'est parce que ça fait partie de la ligne éditoriale. Le clipping, c'est le fait que tu as des éléments du décor qui apparaissent en fonction de tes déplacements. Quand tu avances, tu as des trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Et le tearing, c'est quand l'écran se déchire, si vous voulez. C'est ça. C'est quand tu as une partie de l'écran qui affiche une image, en haut par exemple, et la partie du bas qui n'est pas synchronisée avec la partie du haut. Donc exactement, on a un effet de déchirement. Mais voilà. Regardez, j'ai fait quelques screens de cette version 360. Il y en a où on aperçoit très nettement ce tearing. C'est pas non plus ultra gênant en jeu, comme on peut le voir. Là, franchement, c'est pas. Ça se voit pas. Après, est-ce que le jeu reste fluide dans les scènes de combat, ouais, par c'est exemple ça, justement. Moi, je me demandais s'il allait être fluide, et parce que c'est le principal inconvénient qu'on aurait pu voir. Et il reste fluide, notamment. Alors, je vous montre ça, c'est pas anodin. Ce mur-là n'était pas dans la version 360. Ah! Alors je sais pas si c'est pour couper un peu les zones, pour que ce soit facile à charger ouais, voilà, et pour qu'il n'y ait pas trop de clipping justement. Ah oui. Donc ce mur est apparu comme ça. C'est pas choquant. Hein. Ah bah non, du coup, ça gêne pas du tout. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a quelques petites choses comme ça. Il y a des petites nuances donc géographiques entre guillemets et topographiques et techniques voilà. Donc qui s'expliqueraient par les limitations entre guillemets de la 360. D'accord. Alors, mais c'est pas gênant. Après, au niveau des différences, il y en a pas vraiment parce que dans la mesure où voilà, on a une enhanced edition sur 360, c'est-à-dire une version améliorée. Ouais. On nous propose quelques cinématiques en plus. Il y a 25 minutes de cinématiques en plus. Ah ouais. Et deux quêtes en plus. Donc, qui dure on nous annonce 4 heures. Je vais pas trop vous les montrer ces quêtes là parce que ça peut spoiler rapidement. D'accord, mais bon, comme ça voilà, c'est dit. Mais bon, je vais vous montrer après au niveau du gameplay les différences.
En sachant qu'il n'y en a pas vraiment, parce que bon, ça avait été une critique de la version PC. On peut voir les temps de chargement d'ailleurs qui sont pas très très longs. Ce que j'avais posé comme question, c'est est-ce que le jeu est installé sur le disque dur là, il n'est pas installé et c'est pas très. Bon, là on a vu un NPC qui est apparu brutalement, bon, des petites choses comme ça. Il n'est pas installé, c'est pas très long, en sachant que ça va encore un peu moins vite quand. Quand c'est installé. D'accord, ok. Au niveau du gameplay, ça change pas. On retrouve la roue qui avait été implémentée dans la version PC et. C'était évident que c'était prévu pour évidemment pour les consoles. Pour les consoles, ouais, c'est ce qu'on se disait à l'époque. Et donc évidemment, ça s'y prête très bien. Hein. On peut jouer très facilement avec la manette. Donc pour choisir ses signes, donc ses différents pouvoirs. Donc par exemple, moi j'aime bien celui-là qui est un signe pour d'incinération. Ouais. Voilà. Bon, c'était évident. On va les combattre un petit peu pour vous montrer. Vas-y, on va dégommer un crabe des bois là. Ouais. Alors évidemment, le problème c'est qu'il va souffrir des mêmes maux. Que la version PC en fait. On va avoir des petits soucis de ciblage de temps en temps. Ouais. On va avoir des soucis aussi pour récolter les items que les NPC lâchent, donc pour le looter. Ah ouais. Bon, je vais peut-être pas trop montrer ça. Bon, ça c'est une quête qui était issue d'un DLC, qui sont tous présents sur cette version. Ah, c'est bien ça. Directement. Ça c'est franchement sympa. Ouais. Donc voilà. Alors après, oui, là bon, on voit par exemple, je peux ramasser des items. C'est pas toujours ultra précis, c'était déjà un reproche de la version PC. On regrette que ça n'ait pas été amélioré sur cette version 360, mais bon, ça reste jouable. Alors quand bon, même c'est un peu chiant sur le moment, mais je pense que c'est le genre de détails entre guillemets qui sont pas super gênants, surtout vu la qualité du jeu quoi. Il garde les mêmes qualités énormes, donc cette qualité d'écriture, son univers mature. Voilà, il y a pas mal de petites références sombres, même sexuelles un peu. Oui, c'est très chargé, c'est très mature. Hein, c'est très mature et très très sympa à ce niveau-là. Il perd rien de sa splendeur. Hein. Voilà. Fantastique. Voilà. En tout cas, moi je pense que bah, justement c'est une bonne occasion pour les gens qui ont une 360 qui n'ont pas envie d'investir dans un PC. Oula. Les PCistes peuvent hurler compagnie. Bah ça, moi je trouve que ça reste une bonne chose. Non, il y a pas de quoi hurler parce que les petits ajouts ont été rajoutés sur PC. Donc au final tout le monde est content quoi. Voilà. Donc je pense que après je vais peut-être parler vite fait de l'inventaire. Bon, pendant que je me fais attaquer. C'est pas grave. L'inventaire qui a été un peu simplifié par rapport à la version PC, moi je trouve pas forcément que ce soit idéal. Par exemple, quand on veut choisir une arme, on n'a pas les détails. On a juste les dégâts en bas, mais s'il y a des petits bonus, je vois même pas les dégâts. Ils sont en bas à gauche. Ah oui, d'accord. Dégâts 17. On peut pas comparer avec l'épée qu'on porte déjà sur soi. Bon, là en l'occurrence, c'est celle que je porte, mais bon. Ah, t'as pas de système de comparaison? Alors, si, mais il faut rentrer dans des menus, faire examiner pour avoir les détails comme ça. Alors qu'ils y étaient directement sur PC. On perd un peu bizarre, en ergonomie, ouais. Et le problème, c'est quand on veut vendre des objets. Ouais. Bon, c'est pas forcément ce qu'on vend, parce que voilà, on n'a pas les détails en temps réel. Ah, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est un peu chiant, ouais. Mais c'est le principal reproche que je peux faire à cette version 360. Hein, d'accord. Mais bon, qui, voilà, pour le coup, se porte plutôt pas mal quand même. Qui se porte très très bien. Hein, voilà. C'est une excellente pioche. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter des éléments sur ce Witcher? Non, mais écoute, si vous voulez des éléments supplémentaires, hein, j'ai déjà dit, rendez-vous sur les Gaming Live PC. Qui s'applique, oui, parce que, s'applique inévitablement qui correspond évidemment à cette version également, puisqu'on le rappelle c'est le même jeu. Bref, exactement. On espère en tout cas que cette vidéo de présentation de The Witcher 2 sur 360 vous a plu. En tout cas moi ça m'a donné ça donne envie de s'y remettre, ça donne vachement envie de s'y remettre. J'ai déjà terminé deux fois, j'ai envie de le refaire une troisième. Ça c'est typique des bons jeux, ouais, envie de refaire. C'est un bon signe généralement. Bref, donc un jeu qui est vendu ça dépend où vous allez, mais une soixantaine d'euros voire plus si vous faites en sachant qu'il y a de quoi faire. Attention, alors il va nous sortir on a un guide stratégique avec toutes les quêtes expliquées qu'on voit pas forcément avec le fond vert tout pourri. C'est très détaillé, c'est très sympa, franchement. Aujourd'hui, on voit pas ça souvent. Et justement, est-ce qu'il y aurait pas justement un petit résumé de l'histoire dans ce truc-là? C'est juste un livre des quêtes. Ouais, c'est vraiment dommage. Bon, bref, tant pis. En tout cas, une excellente pioche. On espère que ça vous a convaincu si vous intéressiez au jeu. Ouais. Nous, on va repartir explorer un petit peu cet univers-là et trucider des crabes des bois. On des est comme crabes. Ça. Zandriac. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Au final, bon, résultat est le même, ça finit en steak. C'est ça. Tchou, à plus, merci beaucoup. Salut.